petite poste à truite juste ici. Et au-dessus, pas beaucoup d'eau, mais ça a l'air joli aussi. Voilà, pas beaucoup d'eau, mais il y avait bien une truite en activité. Maximum, et encore un, c'est assez gros. Hop là, oulala. Des fois, ces truitelles ont vraiment les yeux plus gros que le ventre. Regardez cette truite qui a attaqué une cuillère qui fait presque la taille de sa tête. On va essayer de la décrocher vraiment sans l'abîmer. Voilà, elle repartira sans bobo. À la prochaine, dans 2 ou 3 ans, quand tu seras un peu plus belle. Il est de toute évidence plus pratique quand on lance. Voilà. Hop là. Magnifique truite. Prise juste derrière, on va faire passer la cascade. La vallée un petit peu. Mais bon, elle s'en sortira, hop là, voilà, aucun bobo, rien. On va la remettre à l'eau immédiatement, d'une zone où il y a un petit peu moins de courant. Voilà. Ah, décidément, ce poste est fructueux aujourd'hui. Les truites sont vraiment, vraiment une robe merveilleusement belle. Il n'y a rien à dire. Hop, le décrochage extrêmement facile. La truite pas blessée. Elle partira sans encombre. On va essayer de s'approcher de la bordure, là où certaines doivent se cacher. Ouh, elle a pris juste dans la cascade celle-ci. Décidément, elles sont toutes en fin de courant. Oui. Hop. Voilà. Et voilà. Encore une qui ne sera pas du tout blessée. Voilà. On va essayer un petit coup de l'autre côté. Une toute petite attaque. Essayez au milieu. Ah. Décrocher. Ah. En voilà une autre. Petite mais vigoureuse. On a le droit à 2-3 belles chandelles. Voilà. Piqué juste sur le bord de la gueule. Hop, décrochage. La remise à l'eau. Dans une zone calme. Meilleure condition possible.